Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode 2 Stab on V4 Pleased Giraffe. Donc chers amis, cette fois-ci, maintenant qu'on a fait à peu près toutes les quêtes du jeu, on a tout fait, on va se redéplacer sur une... Hop, alors où est-ce qu'on va en trouver une, forcément. Radioactive Star. Et on va retourner à la recherche, hop. Voilà. Du boss, de la fameuse caverne et du boss. Je vais juste faire un épisode comme ça entre temps. Moi ça me permet en fait de temporiser parce que je suis actuellement en train d'uploader des vidéos. Et du coup, je profite de ce tournage pour continuer l'upload en fond. Hop. Dans une des prochaines vidéos que je tournerai, donc que ce soit la prochaine ou dans deux vidéos, je ne sais pas exactement. Je retournerai sur le serveur. Donc le serveur est fonctionnel actuellement. Normalement. Le seul problème qu'il y a actuellement en fait, c'est-à-dire vu le nombre de mises à jour et de correctifs qu'ils ont fait pendant un temps, eh ben fallait relancer mais remettre à jour le serveur pratiquement tous les 2-3 jours et du coup certains ont pu voir qu'il était souvent inactif. En effet, je suis pas, comme vous voyez, moi j'ai joué toute la partie en vanilla sur la partie solo. Donc je suis pas actif sur le serveur, même en règle générale je ne suis pas actif sur le serveur à part quand je tourne ou quand je veux faire des choses. Mais c'est extrêmement rare après tout. Le serveur c'est entre guillemets vous et moi qui l'avons payé ensemble. Donc c'est notre serveur, vous avez autant le droit d'être dessus que moi. Déjà de base. Ensuite on verra. On verra ensuite ce qui se passera. Bon, on descend. Alors j'imagine que je suis pratiquement full mais c'est pas grave. Ah ça va, j'ai connu pire. Donc apparemment faut trouver une cave. Oh, c'est quoi ça? C'est joli. Ouh. Ouh. J'ai ma petite bonbonne d'oxygène. Wouhou. Bah avant d'aller trouver la cave. Oh putain mais il y a des coffres partout sur cette map. Bon, avec une épée toute moche aussi hein. Bon c'est pas grave. On va aller faire le tour de la planète je pense. Parce qu'elle a l'air sympathique bizarrement. Oula d'accord oui quand il pète il fait des bulles celui-là. Hop. Il y a un coffre en dessous. Ah d'accord, tout est tombé. Ah, je veux savoir ce que c'est que ces trucs-là. Biosample. Je peux pas récupérer ces blocs? Je peux pas récupérer les blocs, c'est marrant. Ah, c'est vraiment dommage, j'aurais été curieux de savoir ce que c'était. Vous voyez, on peut pas les... Ah bah attendez, c'est parce que je suis full en fait que je peux pas les récupérer. Ouais, je m'en doutais. Stone Rubble. Mais c'est génial. J'adore ce genre de blocs, moi, chers amis. C'est des espèces de blocs, ce qu'on pourrait appeler des blocs interactifs, c'est génial. Un boss. Raté. Hop, bah alors. Tu chauffes, Marcel? Shedko Skybotkin. What? D'accord. Une dague. Pourquoi pas? Oh. Hop. Moche. Et là, on a un petit peu de chance. Bon. Encore une fois, je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce boss, le fameux boss que je suis supposé rechercher. Du coup, je vous invite, chers amis, comme d'habitude, à commenter des coordonnées. C'est extrêmement important, si vous voulez que je le trouve, ça va être beaucoup plus simple. Alors, je sais pas comment c'est supposé marcher, ce système de blocs. Hop là. Le bandana de Rambo. Je sais pas combien de temps j'ai pu le mettre à le chercher dans les précédentes versions du jeu, mais longtemps. Ça fait plaisir de le trouver. Ah la vache, mais il m'énerve avec ses Kamehameha lui. Hop. Oh putain. Dégage. Dégage.
Il m'a quand même touché le sac, hein. Oh, c'est joli ça. Est-ce que ce serait ce genre de cave là? Oh! Ah non. Je pense pas. Par contre, ça pourrait être ça, quoi. Parfait, un petit coup de heal, ça fait toujours du bien. Vous savez quoi, on va aller buter quelques floranes. Ça va nous faire du bien. Ça va nous remonter le moral. Voilà. Nous voilà partis. Désolé. Ok. Ah, ça fait du bien de retourner entre guillemets aux sources. La mort de quelques floranes sur ce système sera pas trop mauvaise, normalement. Il y aura un impact certain, forcément, mais bon, c'est pas extrêmement grave. Ce ne sont que des floranes, après tout. Un coffre. Une pauvre calache moisie. Hop, ici qu'est-ce qu'on a? Hop, ici qu'est-ce qu'on a? Des prisonniers! Raté. Qu'est-ce que j'avais? J'étais bloqué, j'étais stunt? Ah, ils ont des trucs paralysants, d'accord. C'est des tasers, du coup ça paralyse. Ça, c'est cool. Ça, j'aime comme réaction. J'aurais bien les mains d'avoir, hein. Bonjour. Vous êtes un prisonnier floran? Ah, je peux pas ouvrir. D'accord, si je souhaite ouvrir, il faut que j'ouvre tout. Jouons la RP, ouvrons tout. Bonjour. Je ne vous ai rien fait. Bonjour. Je ne vous ai rien fait. Bonjour. Bonjour. Comme quoi les floranes, tu les sauves de leur prison, mais ils sont malheureux, hein. Vous savez quoi, je vais vous sauver juste parce que je vais me venger de... Ah, ils en avaient lâché un stick. Alors ça c'est du sucre. Pas envie de lâcher du sucre. La corde, voilà. Vous avez lâché un stick, vous avez vu? C'est les fameux sticks qui paralysent. Ça doit être tellement casse-couille en PVP ça. T'imagines? T'es complètement bloqué. Bonjour. 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 Je vous ai sauvé la peau, bande de nazes. Putain, mais... Comment des gens à qui te sauvent la vie peuvent vouloir ta mort, quoi? C'est débile. Oula. J'ai intérêt à manger. Peut-être un petit peu fait le con là. Bon. Oula, il s'est passé quoi par là? Il y en a un qui était un petit peu fou. Il a fait son fifou. Hop. Il y en a un qui a lâché un gun en or par contre, ça c'est classe. Hop. Bonjour. Oh le sniper le mec. Hop. On redescend. Aïe. Crac. Ah c'est chaud. J'avais oublié. Hop. C'est chaud aussi là. Là j'avais pas oublié pourtant. Ok. C'est passé plutôt bien cette histoire. Ah il faut que je remonte là. Exact. Aïe. Ah je pensais que j'allais prendre des dégâts. Honnêtement je m'attendais vraiment à prendre des dégâts là. Pas ça je récupère quelques fibres hein. Comme toujours quand on est sur ce genre de planète. Faut pas hésiter à en récupérer. Hop.
Hop. Voilà, c'est bon. Alors, je suis curieux de voir si ces arbres-là... Non, ça va me donner des pétales, j'imagine. Ouais, des vieux pétales tout moches. Le premier qui me dira, non, on dit des pétaux, Marcus. Non, faux. Un pétale, des pétaux, je pense pas. Je sais pas. Remarque, je sais pas. Pourtant, moi qui suis assez fier de mes connaissances de la langue française. Ok. De Lio. Pourquoi pas? Bah, y'a pas grand chose là pour le coup. On avait beaucoup de choses dans les vidéos d'épisode, mais là on a plus grand chose. Rien du tout. Ah, il m'en manque un, non! Ah, un autre bout de la tenue Azmat, ça c'est cool. On virer les bananes. Les tenues RP comme ça, j'aime beaucoup. Avant de nous donner les implants, pardon, je pense qu'ils devraient peut-être nous donner ce genre de choses. C'est tout con, mais... Ah, un deuxième. Oh, puis j'ai le pantalon qui va avec. Non. Je vais être obligé de faire un choix entre l'Azmat et celle-ci. Oh. Qu'est-ce que c'est? A mon avis, vu qu'elle est bleue, elle doit avoir un certain charisme. Peut-être qu'elle empoisonne l'ennemi, je sais pas. Fait mal, en tout cas. Pourquoi pas. Apparemment, il n'y a rien là-dedans. C'est un boss. Hop là. C'était un boss. Un pistolet bleu en plus. Machine pistol. Tra. On va le mettre à la place de... Des bandages. Ok. Pas si efficace que ça le machin. Hein. Ah là il y avait un coffre. Oh. Est-ce que c'est ce qui va avec le reste ou pas? Ouais. Oh Tiger Hat. Ouais ça me va pas à moi. Donc il ne manque plus que le Thoth Backpack, j'imagine. Pas beaucoup de lumière là-dedans. Hein. Pas grand-chose non plus à aller chercher, tu me diras. Ah putain. J'arriverai jamais à éviter ses coups à lui. Est-ce qu'on aurait pas fait le tour? Voilà, on a fait le tour. Bon. On va se soigner un petit coup. Hop, parfait. On va creuser un petit peu. Il paraît que la caverne est très très dure à trouver. Et que le mob est pas toujours dedans. Donc c'est assez casse-couille. Mais bon. C'est pas comme si on n'avait pas la pile que ce soit casse-couille. Hein. Hop. Laissez-moi passer. J'ai dit, laissez-moi passer. Putain. Coffre. Inintéressant. Ça va pas aller assez vite. Pourtant, c'est que de la clé, je pensais que ça irait plus vite que ça.
Alors, maintenant. De l'argent. Trop cool. Raté. Je ne veux pas remonter. Limite, si je pouvais faire de la ligne droite tout le temps, ce serait cool, en fait. Hop. Heureusement que je parlais ligne droite. Sauf si c'est pour tomber face à ce genre de saloperie. Alors, une grande caverne dans laquelle vit un monstre légendaire extrêmement rare, capable de fournir une arme épique. Si ça ressemble pas à un gros bobard, qu'on m'explique. Bah ça va, tranquille, vous êtes pas nombreux. Bon, je vais devoir mettre fin à vos jours à tous, hein. Je suis désolé, hein, mais si vous me cherchez, il n'y aura pas de pitié, pas de tendresse. Ce soir, ce sera Bagdad dans vos fesses, hein, comme dirait l'autre. Non. Mais meurs. Putain. Elle a du mal à vouloir mourir. Hein. Aïe, ça pique. Hop. Hop. Dégage. On va descendre par là. Ah, si seulement j'avais eu la Morph Ball. Ah. Hop. Alors, continuons, progressons, soyons bons. Oh oh! Descendons encore un peu. Non, raté. Non, raté. Ce n'est que du sable. Hop là. Et on remonte. Hop. Je vais crever sous le sable si ça continue. Ah, il y avait de l'eau, tiens. Marrant. Alors. C'est dommage, c'est plus du sable cool. Je préfère le sable cool. C'est absolument aussi cool, je préfère, habituellement. Je vais dire habituellement parce que sait-on jamais. Eh bien, qui a réussi à me sortir un truc qui est censé être cool mais qui n'est pas top. Genre avoir un troisième bras, c'est cool, mais bon, voilà quoi. Bon, j'ai bien une troisième jambe, c'est cool, mais bon, voilà quoi. Popopo. Aïe. Le jeu me fait payer ma connerie. Aïe. Je vais crever si ça continue. On va se soigner un petit coup. Alors. Hop, raté. Toujours pas. Raté. 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 Et on arrive à la mauvaise couche. Mais c'est génial. Oh mais ce boss, mais je sais pas où qu'il est. Il va me falloir forcément la coordonnée. Parce que même quand je vais sur Starbound Map, personne n'a l'air au courant. Hop. Aïe. J'y crois à chaque fois que je vois une grande caverne maintenant, c'est casse-couille. Hop.
Ah, monte, monte, monte. Putain, non, pas lui. Meurs. Ah, du poison, forcément. Vite Marcus, sinon tu vas te faire empoisonner encore une fois. Voilà. Non. Hop. Progressons. Hop. Mais où qu'elle est, cette foutue caverne? Je m'attends à ce que ce soit une grosse connerie. Puis bon, pour apparemment, en plus quelqu'un s'est donné la peine de me spoiler, j'ai trouvé ça vachement cool. Apparemment c'est pour trouver une épée qui serait assez cheatée. Donc pour être tout à fait honnête, ça m'intéresse pas, mais bon, comme c'est un truc assez complexe à faire, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un petit côté défi à réaliser là-dedans, quoi. Hop, un petit peu de heal, c'est cool, un coffre. Et on redescend. Et on est toujours pas dans la bonne zone. Oh, c'est casse-couille. Là, tout est dur à casser en plus. Alors, allons-y. Remontons. Ah. Ça m'étonne tellement pas. Je vais récupérer le caca quand même, parce que voilà, c'est du caca. Hop. Ah mais oui, le poison. Mais oui, ça m'avait manqué, tiens. Ah bah oui, mais on y retourne, allez hop. Allez, viens te peigner un coup dans du poison. Tu verras, il y aura pas que ta peau qui... ouais non, ça va pas, faut conjuguer le verbe. Tu verras, y a pas que la peau qui fond. Et une douche. Ouais non, c'est naze. Faudrait que je me renseigne un petit peu sur ce genre de rime que je peux faire avec les mots en on. Pas grand chose à mon avis, mais bon. Ah, je viens d'en faire une, mais bon. Je suis trop bon. C'est trop con. Ah, y a plein de mots en on en fait. Allez, monte, 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 monte. Mente, mente, vous m'entendez mâcher la touche. Allez, mente, mente, putain. Aïe. Où elle est cette cave? Cette putain de cave. Aïe, ça fait mal ça. Eh mais tu vas me lâcher, oui. Vous y avez tous cru que j'allais me casser la goule là, je suis certain. Un coffre. Il y a toujours rien d'intéressant dedans, hein, je tiens à prévenir. Oh, putain. Hop. Ça mène quelque part. Tiens, par là. Rien, par là, rien. Et là, je crois qu'on atteint la surface. Ouais, j'entends. Bon, est-ce qu'on atteint la surface suffisamment haut? Oui! On remonte sur le vaisseau. Donc on trouve rien. Donc je veux absolument avoir des coordonnées, chers amis. Et
Non seulement je veux les coordonnées, mais aussi je veux un moyen de descendre directement du haut de la planète. Donc il faudra m'indiquer exactement où c'est. Donc les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et dans la prochaine fois, on parlera du serveur.